Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du mardi 15 août 2017. Mardi 15 août 2017. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement au 9e jour de jeûne. Merci déjà pour ceux qui viennent me prendre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Les combattants. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour. Ouais, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour. Restez bénis. Restez puissamment bénis. Shalom à vous. J'espère que vous continuez. J'espère bien que vous continuez ce moment si important. C'est un moment très important. Nous sommes dans la présence de notre Dieu, Yahvé, Jéhovah, pour lui demander de... Voilà, toujours, merci. Déjà de répondre, toujours. Que Dieu bénisse. Soyez fortifiés. Ouais, soyez fortifiés. C'est 21 jours de jeûne. Commencez à inviter d'autres personnes à suivre la vidéo. Voilà, commencez à partager la vidéo. Comme ça, nous aurons beaucoup de personnes en ligne et nous allons commencer. Voilà, invitez déjà d'autres personnes à suivre la vidéo. Invitez des personnes. Commencez déjà à inviter des gens à suivre la vidéo. Invitez des gens à suivre la vidéo. Partagez, commencez à partager et invitez d'autres personnes à commencer à suivre la vidéo. Soyez bénis et soyez fortifiés. Ouais, shalom à vous. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Recevez toute la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui pratiquement au 9e jour de ce programme de jeûne, le 9e jour aujourd'hui. Pratiquement le 9e jour. Shalom à vous. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Pour sauver l'humanité, il a fallu que Dieu donne son fils Jésus-Christ à la croix. Dieu qui est le maître de toutes choses, maître de la création. La maître de la création, il n'a pas sauvé l'humanité comme ça, facilement. Dieu n'a pas créé l'humanité, sauvé l'humanité facilement. Ça coûtait, ce que ça pouvait coûter au Seigneur, en donnant son fils unique à la croix, pour nous, pécheurs, pour nous, qui avons commis l'iniquité. Voilà, Dieu a donné son fils qui est mort. Jésus-Christ a vécu une atrocité terrible. Jésus-Christ, ça n'était pas facile pour Jésus-Christ, mais il est mort, il dépasse sa mort, sa résurrection, il nous a donné la victoire sur la croix. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment bénis. Recevez toute la grâce de Dieu, recevez toute la grâce de Dieu. Soyez puissamment bénis, recevez. Ma journée a été tellement mouvementée. Comme je disais, j'ai fait un direct depuis la structure Barou Communication. J'ai mis une structure en place. Donc, je suis le PDG de cette structure, Barou Communication. Barou qui veut dire élévation. En hébreu, ça veut dire élévation ou gloire à Dieu. Gloire, élévation, Barouk. Et cette structure, mis en pied, j'ai mis ça sur pied pour aider, n'est-ce pas, les chantres chrétiens et les chantres, étant moi-même chantre, connaissant le besoin qui est là. Un studio d'enregistrement. Et la production, je fais aussi la production, c'est-à-dire le studio, la production, la promotion, la vente des CD. Voilà, des artistes chrétiens,
de la promotion du gospel. Et en même temps, Baruch Communication s'occupe aussi de, n'est-ce pas, de tout ce qui est mariage. Éventuellement, si vous voulez vous marier, désormais, il y a une structure à Abidjan qui est Baruch Communication. On aura l'occasion de vous donner la situation géographique de Baruch Communication, les adresses, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et l'ouverture officielle, c'est le 2 septembre. Voilà, le 2 septembre. Donc, j'étais justement à l'agence, étant en train de travailler avec, faire des retouches, parce que nous faisons sur la production audiovisuelle, comme je disais, films, clips vidéo, et aussi la production des artistes. Voilà. En même temps, pour l'organisation des mariages, des robes de mariage, si vous voulez, coaching en matière de mariage, et aussi, si vous voulez, organiser aussi des séminaires, la structure prend sous en compte la sonorisation, la décoration, et nous avons aussi des hôtesses pour les cérémonies de, n'est-ce pas, des séminaires et tout ça. Voilà, donc c'est Baruch Communication désormais Abidjan, juste derrière la CNPS de la Riviera Palmeraire. Voilà, parce que c'est vraiment important. Par moment, nous donnons nos choses aux païens, nous confions nos choses aux païens qui travaillent avec les fétiches, qui travaillent avec le diable. Et par moment, rien ne marche parce qu'il y a une connexion satanique, donc on a décidé. Voilà, parce que dans nos milieux, beaucoup de personnes se marient. Désormais, quand vous aurez besoin, même de la location de voiture, vous voyez Baruch Communication. Voilà. Donc, le 2, il y aura une grande conférence de presse, très grande conférence de presse devant les journalistes ivoiriens. Voilà, et nous allons communiquer pour l'ouverture officielle de cette structure Baruch Communication. Deuxièmement, si vous venez à Abidjan, si vous avez un souci de véhicule, vous appelez Baruch Communication. Baruch Communication vous donnera la voiture. Si vous voulez faire des achats de voitures, vous appelez Baruch Communication. On fera des achats de voitures. Si vous voulez avoir, n'est-ce pas, un terrain ici en Abidjan pour construire votre maison, vous rentrez en contact avec Baruch Communication. On vous facilitera la tâche comme avoir un terrain pour se construire une maison. Voilà comment suivre les travaux et tout ça. Parce que c'est important. C'est face aux besoins énormes des Ivoiriens et de la diaspora qui aimerait, n'est-ce pas, s'investir en Côte d'Ivoire et que le Seigneur m'a mis à cœur de créer, n'est-ce pas, cette structure. Voilà, donc c'est déjà fini. Le studio est bien en place. Et aujourd'hui, il y a une salle de répétition. Pour ceux qui ont des grands concerts, qui aimeraient des grands concerts, voilà, il y a une salle de répétition. Vous venez, vous louez la salle de répétition, vous répétez. Vous voulez faire aussi la promotion de votre album, voilà la Baruch Communication. Et nous avons aussi un site en ligne. Vous pouvez aussi télécharger des vidéos, vous pouvez télécharger, acheter, n'est-ce pas, la musique en ligne. Voilà, donc c'est une grande boîte qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire, dont je suis le PDG par la grâce de Dieu. Et ça crée emploi, ça me permet de donner de l'emploi à nos bien-aimés qui ont des diplômes qu'on appelle la licence en communication, BTS en communication, d'entreprise. Voilà, donc ça m'a permis de permettre à certaines personnes aussi d'avoir un emploi. Voilà, donc priez pour ça et l'ouverture officielle sera le 2, c'est pour le 2 septembre. Voilà, donc shalom à vous. Désormais, il n'y a plus de soucis. Vous voulez une voiture, vous appelez Baruch Communication, on vous donnera le contact, tout ça. Vous voulez vous marier, il n'y a pas de problème. Nous prenons des vêtements, nous prenons déjà des vêtements de la mariée, c'est-à-dire robe de mariage. Même le marié, son costume, de son costume mariage, jusqu'à alliance et coaching spirituel. J'ai des conseils aussi à donner au foyer, au couple. Voilà, qui doit les fiancés qui veulent se marier. Et nous prenons tous en compte du mariage, c'est-à-dire de l'habillement au gâteau jusqu'à la nuit de noces. Si vous voulez des réservations pour votre nuit de miel, Baruch Communication gère tout ça. Vous avez un séminaire organisé à Abidjan. Vous avez besoin des hôtesses, vous avez besoin de la décoration. Baruch Communication s'occupe de ça. Vous avez besoin aussi des gâteaux pour le mariage. Baruch Communication s'occupe de ça. Voilà, vous avez besoin d'acheter un terrain ici en Côte d'Ivoire. Baruch Communication vous donnera la possibilité de vous faciliter la tâche pour avoir un terrain fiable ici en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voulez vous investir dans les affaires. Il y a aussi un coaching pour vous conseiller en matière d'affaires. Donc, c'est une boîte qui est ouverte pour vous amener à investir. Voilà, qui prend beaucoup de choses en compte. Vous avez besoin d'une voiture. Une voiture de location, vous appelez Baruch Communication. Dans les minutes qui suivent, vous avez la voiture.
pour votre séjour en Côte d'Ivoire, votre séjour à Abidjan. Voilà, donc c'est vu tous les besoins des gens, des Ivoiriens, des personnes qui vivent à l'étranger, qu'on a essayé d'ouvrir. Ouais, il y a un site. Le site sera opérationnel à partir du 15. Le site sera opérationnel à partir du 15 parce qu'il y a des retouches qu'à faire sur le site. Vous pouvez faire toutes les réservations sur le site internet. Le site sera opérationnel à partir du 15. À partir du 15, déjà, vous allez avoir accès au site de Baro Communication. Voilà, donc, nous allons, c'est en même temps, il y aura en même temps une télévision en ligne sur le site, ça c'est une télé en ligne. Voilà, donc vous aurez tout le direct en ligne sur toutes les informations de la Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de vous donner tout ça au fur et à mesure, on attend de communiquer. Allons-y doucement, je suis en direct pour parler du jeûne, mais au fur et à mesure, je vais communiquer sur Baro Communication. Je vous donnerai tous les détails, les numéros de téléphone, la situation géographique, tout ça. Et en même temps, le site, comme je disais, le site est en train d'être confectionné. Et le site sera opérationnel à partir du 15 septembre. Vous aurez accès au site de Baro Communication. Comme ça, vous pouvez aussi déjà faire des réservations en ligne pour ceux qui veulent venir, ou vous voulez entreprendre quelque chose en Côte d'Ivoire, ou vous voulez, n'est-ce pas, commencer à louer une maison pour entreprendre faire votre affaire, vous n'avez pas quelqu'un sous la main qui peut vous gérer ça. Baro Communication s'occupe de gérer cette affaire. Voilà, vous venez de l'aéroport, vous venez en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aéroport, vous n'avez pas, vous savez pas quelle voiture. Baro Communication déjà en ligne, vous pouvez déjà appeler la structure et on vous met une voiture en location. Voilà. Donc j'étais en train de gérer tout ça. Voilà. Il y a une équipe dynamique. Nous avons une équipe très dynamique dont je suis en train de travailler avec tout ça. Ces personnes qui ont une licence en BTS, une licence en communication, audiovisuelle, tout ça, c'est vraiment d'une équipe très dynamique. Justement, je viens juste de trouver un boulot avec eux. Comme nous avons une rencontre en ligne. Donc soyez bénis. Voilà, soyez bénis, richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et un enfant de Dieu doit entreprendre. Vous voyez, vous devez entreprendre. Vous devez faire des affaires. Vous devez être dans les affaires. La manne ne descendra plus du ciel. Vous ne pouvez pas vous mettre dans la maison en train de pleurer. Puis les billets de banque, de dollars, d'euros vont tomber. Il faut entreprendre. Voilà, il faut entreprendre. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de ta main. Et ça, c'est beaucoup très important. Nous devons posséder le monde. Nous devons entreprendre. Nous sommes des enfants du royaume. Nous ne devons pas laisser le business aux païens. Nous ne devons pas laisser le business à ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, sinon ceux qui sont devant de tout, dans des affaires. Non. Et nous sommes dans les églises en train de pleurer seulement, en train de jeûner. Voilà, non. Nous devons, après la prière, après le jeûne, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'entreprendre. Oui, nous devons être des hommes d'affaires. Nous devons entreprendre. Et ça, c'est beaucoup très important. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, moi-même, je suis déjà un modèle, un exemple. Voilà, je viens d'ouvrir ma boîte et il y en a plusieurs comme ça de choses qu'on va ouvrir pour donner de l'emploi aux chrétiens. Voilà, parce que le chrétien doit faire du business, doit dans les affaires. Voilà, parce que quand tu n'as pas l'argent, tu es possédé. Voilà, un démon, tu peux te prendre. Voilà, shalom. Donc aujourd'hui, nous sommes au 9e jour, que Dieu vous bénisse. Déjà, beaucoup sont ceux qui sont déjà dans le jeûne, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Justement, je suis en train de communiquer un peu sur Baro Communication pour ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de voir comment être délivré d'une malédiction ancestrale. J'ai donné beaucoup d'étapes déjà. Selon Exode, nous savons très bien que la parole de Dieu nous donne dans Exode. Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Nous avons abordé un sujet très important. Avant de commencer le jeûne de 21 jours, nous avons démarré ici le pardon des péchés. Nous avons compris que Daniel, avant de commencer, il a demandé pardon pour les péchés des 67, les actes qu'ils ont posés. Voilà, donc, et après ça, j'ai dit, le péché, il y a des conséquences. C'est vrai que nos parents ont péché en adorant des fleuves, en adorant n'est-ce pas, des bois, des rivières, mais n'ont pas pensé aux conséquences. Ils n'ont pas pensé aux conséquences. Voilà, les conséquences. Souvent, les choses qui nous arrivent ne viennent pas de nous, mais c'est une malédiction dont nous avons hérité. Et n'est-ce pas, comme je donnais l'exemple de cette femme veuve, qui avait un mari prophète. Elle vient vers Élisée, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Deux Rois, le chapitre 4,
Elle vient dire, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Elle dit, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Hein? Il est mort. Et voilà que le créancier est venu prendre des enfants pour en faire des esclaves. Souvent, n'est-ce pas, c'est des dettes spirituelles. Nous avons souvent nous avons hérité des dettes spirituelles et nous nous retrouvons dans des prisons spirituelles. Et je vous ai parlé de la malédiction. J'ai dit, la malédiction, ce n'est pas un démon. On ne chasse pas le démon de la malédiction. Non, on ne chasse pas le démon de la malédiction. On la révoque, on l'annule sur une vie. La malédiction, d'abord, ça peut être une diction, malédiction, une parole maldite, ou et un mauvais sort. C'est-à-dire, les parents ont posé un acte ou tu as posé un acte et il y en a les conséquences. Et toujours, on paye tout. Tout se paye. Ce qu'un homme sème, il le récolte toujours. Sauf cela que, eh bien aimé, Dieu nous. Ouais, arrêtez de m'appeler parce que là, je suis en ligne. Je suis en ligne. Voilà, donc la malédiction. Donc, je parlais de la malédiction héréditaire. Je parlais de la malédiction héréditaire. Voilà, donc on a parlé de la malédiction. Elle se révoque, elle s'annule. Maintenant, pour que la malédiction soit révoquée, il faut d'abord l'identifier, connaître ses causes. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que nous sommes en train de faire vraiment. Il faut connaître les formes de malédiction. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Et une malédiction parce que la pauvreté veut dire quelqu'un qui est constamment dans les besoins. Qui est constamment dans les besoins. Il faut lui donner des millions de francs. Et ça va se volatiliser. Ça va jamais lui profiter. Voilà. Et quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est comblé de biens. C'est ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, les liens ancestraux nous bloquent aussi. Voilà. Donc, c'est tout ça que nous sommes en train de traiter par la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout ça que nous sommes en train de dire. Dieu qui nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand nous lisons dans Galates 3, le verset 13 à 14, il nous a racheté de cette malédiction. Maintenant, c'est sur ça que les sorciers s'appuient pour avoir un droit légal sur nous, pour nous manger. Avec la sauce Akpi, la sauce Tikliti, la pork, voilà. Et puis la sauce, souvent Dolé aussi. Voilà, parce que ce n'est pas encore du voir sûrement qu'il y a les sorciers. Partout, il y a les sorciers. Voilà, donc c'est ce droit légal-là qui permet à la sorcellerie. Nous gênons, nous prions, nous ne comprenons pas pourquoi les choses ne vont pas comme ça devait aller. J'ai parlé de la sorcellerie. La sorcellerie était une malédiction, n'est-ce pas? J'ai dit aussi que la pauvreté. La pauvreté. Comprenez? La pauvreté est une malédiction. J'ai parlé aussi du célibat. Est une malédiction. On n'arrive pas à se marier, c'est une malédiction. Il y a aussi le non-aboutissement qui est une malédiction, la mort prématurée qui est une malédiction, n'est-ce pas? J'ai parlé de tout ça. Et nous sommes revenus encore, nous avons abordé un sujet très important hier. Nous avons parlé de nom. Le nom que vous portez peut vous attirer une malédiction. C'est cela que vous devez chercher à savoir, le nom de vos villages. Parce que nous, certainement, on a le village du côté maman et du côté papa. Quelle est la signification du nom de leur village? Ça, c'est très important. Si vous connaissez le nom de la signification du village, si le village porte le nom d'un démon, tous ceux qui ressortent de ce village ont forcément une malédiction sur eux. Forcément une malédiction. Ils sont attirés, ils sont frappés par cette malédiction. Si le village de ta mère, de ton père, est un nom qui apporte les démons, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Par exemple, excusez-moi, je vais donner un nom banal, Mbété de Gagnoua. Quand on dit Koudou, Koudou, Mbété de Gagnoua veut dire le village des morts. Koudou. Ça veut dire Kou, ça veut dire mort, d'où, c'est village. Mbété, Kou, mort. Demandez à tout Mbété, il vous dira ça. Kou, ça veut dire mort, la mort. Kou, Kou, mort. D'où, c'est village. Donc, quand quelqu'un porte le nom de Koudou, ça veut dire c'est le. Qui vient du village des morts. Koudou, village des morts. Tu viens du village des morts. Mais tu vas toujours connaître des problèmes, des difficultés, des problèmes, blocages, des problèmes, des difficultés. Parce que Koudou, embêté de Gagnoua, veut dire mort. Koudou, village des morts. Village des morts.
Koudou. Vous comprenez? Il y a aussi le nom ici qui est Unzoué. Unzoué, ça veut dire de l'eau. Unzoué ba, fils de l'eau. Unzoué ba, fils de l'eau, sans baouler. Celui fils de l'eau. Ou Yoboué, en baoulé, qui veut dire caillou. Caillou, ton front même est sec. Quand le patron te dépose un dossier, ton front est sec comme un marteau. Il ne peut pas accepter. Ben, c'est Yoboué. Oui, donc, il y a des noms comme ça, nos parents nous ont donné. Ou bien Zirignon. Embêté, Ziri, ça veut dire fétiche. Ziri veut dire génie. Ziri, Ziriwa, ça veut dire les marabouts, les féticheurs. Ziriwa. Zirignon, ça veut dire féticheur. Ziri, embêté, ça veut dire fétiche. Zirignon. C'est pour ça qu'il chante la gozia, ziliwao. Ziliwao, ça veut dire les féticheurs. Voilà, la gozia, ziliwao. Donc, il y a des gens qui s'appellent Ziriwa, Zirignon. Zirignon, ça veut dire féticheur. Embêté, c'est tout. Demandez ceux qui sont embêtés, ils vont vous dire ça. Quand on dit quelqu'un s'appelle Zirignon, ça veut dire un féticheur, c'est tout. Mais tu vas avoir tous les problèmes. Parce que le nom que tu as peut avoir un impact négatif sur ta vie. Le nom que tu as. C'est ça que vous devez chercher à savoir quel est le nom du village de votre papa, le village de votre maman. Ou du moins, chercher à savoir aussi le nom de votre papa, son nom qu'ils lui ont donné du village, ses parents, et la signification de ce nom. Du côté de maman, la signification de ce nom-là. C'est important. Parce que ça peut avoir un impact sur vous. Et le diable connaissant ça, c'est par ça qu'il a le droit légal sur vous. Et le grand signe pour reconnaître, je disais comme ça, c'est le complexe d'infériorité. On a peur. C'est-à-dire on est complexe, on a peur. On a cette frayeur en nous de s'engager. La peur de s'engager. Parce qu'on a cette malédiction-là qui règne sur nos vies. On a peur de s'engager. Parce qu'on se dit, si on s'engage, il y aura problème. Et beaucoup de personnes vivent ça. Ils n'ont pas confiance en eux. La confiance en soi. Appelez, demandez aux gens, mais il ne faut pas dire, papa, tu t'appelles comment? Ton nom du village, c'est quoi? Ton père dit, mais attends, il y a quel problème? Il faut savoir parler aux gens, ça y est, négocier. Voilà, parce que la manière de demander, non papa, ton nom du village, ton nom du village, ton nom du village, maman, ton nom du village, le nom du village. Ton papa a dit, mais attends, tu as quel problème? Non, le prophète a donné un enseignement. Cherchez à savoir tout ça. Et si vous savez tout ça, qu'il y a une signification négative, brisez, révoquez cette malédiction-là. Il faut que ça arrête à votre niveau. Parce que Christ, à la croix, c'est faire malédiction pour ne plus que nous soyons sur cette influence démoniaque, sur cette influence satanique, sur cette influence démoniaque. J'ai dit que la malédiction ne respecte pas la situation géographique de là où tu es. Que tu sois aux États-Unis, la malédiction doit te suivre là-bas. Que tu sois dans le palais d'un roi, la malédiction te suivra là-bas. Parce que la malédiction, c'est comme quelque chose qui est sur toi. Tu pars avec ça, tu dors avec, tu te réveilles avec ça. L'eau ne peut pas enlever ça. On ne chasse pas la malédiction. Il faut d'abord l'identifier. Est-ce que ce qui se passe là, c'est la malédiction? Oui. Quelle est la forme de malédiction? Oui. Et puis maintenant, on l'annule. Je disais comme ça que dans Jésus 6, 24, nous avons vu l'action qui a mené, n'est-ce pas, Jésus 6, verset 24, il a maudit Jéricho. Maudit soit celui qui s'élèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Jésus 6, 24. Et cette malédiction s'est accomplie plus tard, 500 ans plus tard, dans 1 roi 3, le verset, 1 roi 7, verset 34. 500 ans plus tard, l'accomplissement de cette malédiction. 500 ans plus tard, l'accomplissement de cette malédiction. Vous comprenez? L'accomplissement de cette malédiction, 1 roi 16, 34. 500 ans plus tard, l'accomplissement de cette malédiction. Vous comprenez? Donc, la malédiction ne respecte pas la situation géographique.
Que tu sois dans le palais, que tu sois, n'est-ce pas, mais tu vas avoir quelque chose qui va t'enlever du palais. Pendant que les gens progressent dans le palais du roi, à la présidence, toi, tu es bloqué. Et les gens, ils vont sentir ça. Pour dire, mais ici, les gens avancent, mais toi, tu n'avances pas à cause de la malédiction. Si tu veux changer de palais, ça sera toujours, ça va te suivre. Où les gens ne font pas accident, c'est là, toi, tu fais accident. Où les gens sont bien, c'est là-bas, toi, tu es tordu. Toi, tu es bizarre. Malédiction. Cette malédiction, c'est cette malédiction qui plante sur toi. Parce que quelque part, le nom des parents, le nom des aïeux, les noms qu'ils ont dans nos villages, le nom des parents a un impact en train de jouer terriblement sur toi qui fait que tu perds tout. Tout est bloqué autour de toi. Tout devient bizarre autour de toi. Comme je disais, la malédiction ne respecte pas aucun respect pour la situation géographique. Vous devez prier pour ça. Donc, tu l'identifies. Quelle est la malédiction? Ce que tu vis là, c'est une malédiction. Tu as héros, l'argent même te fuit. Tout est bizarre autour de toi. C'est le temps de prier et d'annuler cette malédiction. Il faut maintenant la révoquer. Il faut commencer maintenant à la révoquer, cette malédiction. Il faut commencer à la révoquer, cette malédiction. Si tu connais le nom, tu dis que l'impact de ce nom-là, si ma vie est annulée dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez bien que Jacob s'appelait Jacob. Et quand il a rencontré l'ange, l'ange lui a simplement dit, comment tu t'appelles? Il dit, Jacob est mon nom. Parce que c'est le nom-là qui agissait sur lui. C'est le nom-là qui agissait sur Jacob, qui faisait qu'il était vaurien. Vous l'annulez, vous annulez. Nous brisons les liens ancestraux. Les liens ancestraux, c'est brisé. On va revenir sur les liens et la malédiction. On va revenir parce que ce n'est pas pareil. Hein. Les liens et après la malédiction, nous allons parler des liens. Nous allons parler des liens. Je vous parle de la malédiction actuellement. Nous reviendrons sur les liens ancestraux. Vous comprenez? Donc, parle de la malédiction. Donc, l'ange a dit à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Il a changé. Parce que le problème qu'il y avait Jacob, c'était son nom. C'est son nom qui agissait sur lui. C'est son nom qui faisait qu'il était vaurien. C'est le nom-là qui faisait qu'il était bizarre. Jacob dut à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. La lutte dura jusqu'à l'aurore. L'ange vaincu répondit, oui, je te bénirai, Jacob, ton nom sera Israël. La lutte dura jusqu'à l'aurore. L'ange vaincu répondit, oui, je te bénirai, Jacob, ton nom sera Israël. Vous comprenez? Voilà, il dit, quel est ton nom? Ton nom sera Israël. Vous lisez ça dans le passage de Genèse. Vous lisez Genèse le chapitre 32. Genèse le chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 26. D'abord le verset 27, 25. Genèse 32, à partir du verset 25, voyant qu'il ne maîtrisait pas, ce temple frappait à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob démit pendant qu'il luttait avec lui. Le verset 26 dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob lui répondit, je ne te laisserai point aller, car que tu me mets béni. Le verset 27 dit, lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit, quel est ton nom? Jacob, quel est ton nom? Il répondit, verset 27, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Le verset 28 dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, il donne le nom de Jacob. Ton nom ne sera plus, n'est-ce pas, Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc, le nom là,
avait une influence négative sur la vie de Jacob. Avait une influence négative. Au nom de Jésus. C'est pour cela qu'Israël est béni. Parce qu'on parle d'Israël, on s'identifie à une grande bénédiction. Quel est le nom que porte ta famille? Quel est le nom que porte ta famille? Quand je vous disais tout à l'heure que Koudou, embêté, ça veut dire le nom, le village des morts. Koudou, demander à tout bêté. Koudou veut dire mort. Celui qui vient du village des morts. Koudou. Zirignon, ça veut dire féticheur. Toi qui viens du village des morts, mais qu'est-ce que tu vas recevoir dans ta vie? C'est la mort. Tout sera bloqué. Difficulté, c'est difficulté. Il y a des noms qui attirent la malédiction. Voilà. Je préfère toute malédiction ancestrale sur ma vie soit révoquée, soit annulée. Dites plutôt annuler ou révoquer. On brise les liens ancestraux. Je vais vous enseigner la différence entre les liens et la malédiction. Voilà, parce que les mots, il faut bien savoir prononcer les mots. La malédiction, c'est un mauvais sort qui règne. Il faut l'annuler. J'annule cette malédiction, qu'elle s'arrête. Je la révoque sur ma vie à partir d'aujourd'hui. Que cette malédiction s'arrête dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. La malédiction dont procure votre nom, le nom du village de votre papa, qui a tâti cette malédiction sur votre vie, qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer. Le nom, ce nom-là, qui t'ont donné peut-être, qui attire toute la malédiction sur ta vie, je la révoque maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de cette malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au 9e jour. Donc, nous allons progresser. Hein, nous allons progresser dans ce truc-là. Priez toujours pour la malédiction. Annulez toujours la malédiction. Ce soir, vous réfléchissez, c'est ça. Vous annulez cette... Voilà, annulez la malédiction. Elle s'annule. Sur ça, quand partait un enfant commet une erreur, il voit son papa qu'il avait peut-être maudit. Le papa verse de l'eau. Voilà. Je brise, j'annule la malédiction de ma... Oui, on annule plutôt. Briser, c'est quand les liens ancestraux, on les brise. Les liens, la différence entre les liens et la malédiction. J'arrive là-dessus, bien sûr. J'annule toutes les malédictions, bien sûr. Je préfère annuler toutes les malédictions. Il faut les annuler. C'est une parole qui est là, elle a besoin d'être annulée. C'est un mauvais sort qui est là, qui agit négativement, qui a besoin d'être annulé. Si tu ne l'annules pas, elle continuera d'agir. Donc, réfléchissez à ce qui se passe. Prenez le temps pour réfléchir à ces noms des masques qu'on vous apporte. Le nom des masques, on te donne Gila, ou bien le nom d'un vieux masque, un gars bizarre, sorcier, tout ça. Réfléchissez à tout ça et commencez déjà à annuler au fur et à mesure que vous avez cette révélation. Annulez-la. Pour dire que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Cette malédiction s'arrête. Comme je vous disais, dans la signification du nom Claude, Claude veut dire un infime en français. La signification de Claude veut dire infime. Voilà, donc il y a des choses comme ça, peut-être que vous ne savez pas, par l'ignorance, vous avez des noms bizarres qui attirent toute forme de malédiction sur vos vies à cause du nom. Ou d'accord du nom de celui-là dont est sorti de ton père et ta mère. Tout cela est attiré sur ta vie aujourd'hui. Donc réfléchissez à tout ça. C'est ça qui donne un droit légal à la sorcellerie. C'est tout ce que la sorcellerie régale. Et qu'aujourd'hui, bien que tu sois un bon chrétien, zélé, qui est bien, mais la malédiction t'influence. Voilà, j'annule toute malédiction dans le nom. Oui, très bien, c'est ça, j'annule toutes les malédictions. Il faut les annuler. Maintenant, on dit qu'il faut identifier la malédiction. J'annule la malédiction de la pauvreté qui reste ma vie, la malédiction du célibat, la malédiction du non-aboutissement, de l'échec. Au fur et à mesure, il faut identifier. Pour que la malédiction soit révoquée, identifie-la. Pour dire telle malédiction, je l'annule. Telle malédiction, il faut l'identifier. On ne dit pas seulement que j'annule en général. Non, non, non. Il faut aller malédiction impact. Tu verras une délivrance de chaque malédiction sur ta vie. Parce que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ce qui est sûr, c'est que la mort de Christ à la croix nous a donné la victoire sur la malédiction. Selon Galates 13, le verset 14, il nous a rachetés. Nous étions vendus
à la malédiction, il nous a rachetés de cette malédiction. Étant lui-même devenu malédiction, il s'est identifié à cette malédiction. Et nous sommes plus que vainqueurs. On dit tous Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas à s'attrister. Si maintenant même tu viens d'apprendre cet enseignement que tu es sous un choc, mais il y a une solution. La solution, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. De par sa mort, nous a donné la solution. N'est-ce pas sa mort, sa résurrection, nous a donné la solution. Recevez toute la grâce de Dieu. Avec Jésus-Christ, il y a la solution. Il y a la solution. Il y a la solution. Et c'est ce que Dieu te donne aujourd'hui de comprendre, en t'ouvrant l'esprit, de comprendre ce qui est en train de se passer dans ta vie, qui est une source de malédiction. Donc, reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois-la. C'est pour ça qu'il faut te révolter. Il faut aller jusqu'au bout de ce jeûne. Il faut aller jusqu'au bout de ce jeûne. Parce que beaucoup de choses ont besoin d'être réglées dans ta vie. Pourquoi les autres avancent, toi tu n'avances pas? Toi tu es comment? À cause d'une malédiction. À cause d'une malédiction. Oui, à cause d'une malédiction qui t'influence, qui agit négativement sur toi. À cause d'un nom satanique dont portent les parents de ton père ou ta mère ou le village de ton père ou le village de ta mère s'entendent agir sur toi. Négativement, ça bloque tes affaires parce que ce nom-là agit négativement. Recevez toute la grâce. Je prie et j'annule toutes les malédictions qui, n'est-ce pas, influencent ces bien-aimés. Ces malédictions qui les influencent. J'annule ces malédictions maintenant même. Que la puissante main de Jésus-Christ vous délivre et vous libère. J'annule ces malédictions de pauvreté, de célibat, de non-emboutissement. Oui, au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu sur vous. Et qu'au cours de ce jeûne, que le Seigneur notre Dieu se révèle à vous. Se révèle à vous et vous délivre de toutes ces malédictions. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu qui vous délivre maintenant. Recevez la grâce de Dieu qui vous délivre. N'oubliez pas une chose, c'est que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mettez la main sur vos têtes et ce soir, quand vous vous souvenez d'une malédiction, annulez-la. L'annulez-la, annulez-la, annulez-la, annulez cette malédiction. Recevez la grâce de Dieu. Recevez cette grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Et on a demain, je vous porte dans mon cœur, on a demain. Demain est le 10e jour et nous continuons le combat. Demain est le 10e jour, nous continuons le combat. Shalom.